Alors, comment faire un titre transparent avec effet ombré et contour dans Photofiltre 7, donc version gratuite? Donc, première chose, c'est de créer une nouvelle image. On va garder 800-400 par exemple en hauteur, on va prévoir un petit peu de marge. Vérifier que la transparence automatique soit cochée ici. La résolution 96 dpi pour un écran, c'est très bien. Voilà, donc là vous avez le cadre image. On va poser dedans le texte. Voilà, et par exemple, ça avait déjà été saisi. On va noter donc bon, l'acronyme, hein, donc technologie de l'informatique du multimédia, donc TIM. Alors, les effets. Voilà, les effets ont déjà été cochés. Donc l'opacité 100%. À voir, on va le laisser comme ça pour l'instant. L'ombre portée, je vais le laisser par défaut également. Le contour, laissé en blanc également. Voilà, ça me donne ceci, ce qui est pas trop mal. Et là, je peux le bouger puisque vous voyez ici un calque qui est venu se superposer au fond. Donc je peux bouger le texte sur le calque de fond. Ensuite, on va justement mettre l'abréviation, donc TIM, donc deuxième texte. Bon, déjà, on va changer la couleur. On va se remettre en orange. Voilà, on va peut-être mettre un point entre chaque. La taille, par contre, là, on va mettre plutôt 90. Voilà, alors on voit que ça se superpose. Donc, il y avait une transparence ici. Alors cette image bien sûr va être recadrée ensuite puisque sinon sa taille serait de 800-400. Alors pour ça il faut, avant de recadrer, on ne peut pas recadrer en fait comme ceci, il faut fusionner les trois calques. Donc clic droit sur le calque 1, fusionner, clic droit sur le calque 2, fusionner. Voilà, donc là ça fait une seule image qu'on peut recadrer. Alors là on essaye de recadrer, on ne peut pas. Petit piège évidemment, ici on est sur le calque, et donc ici pour recadrer, il faut utiliser donc la flèche blanche. Voilà ce qui me donne par exemple ceci. Clic droit, recadrer, et voilà, on a notre titre. Il suffit de l'enregistrer en PNG ou GIF, PNG étant mieux ici. Donc, enregistrer. On va, voilà, désactiver entrelacé. Par défaut, c'est non entrelacé. Voilà. Donc, l'image a été enregistrée. Et on peut l'insérer ensuite sur n'importe quel fond, hein, puisqu'on a ici un fond transparent. Ce qui permet de faire des effets, notamment dans, sur les pages web ou même dans PowerPoint par exemple, hein, pour avoir des titres transparents, donc au format PNG.